Allez. Comment tu te sens aujourd'hui? Je travaille pas ce soir. On va pouvoir écouter le match ensemble. Drogba. Pourquoi je suis pas comme tout le monde? Le docteur a dit que t'en aurais pas pour longtemps chez vous. Inquiète-toi pas, avec ça, ça va bien aller. C'est très bien que ça va pas bien aller. Regarde mon état. Ben oui, ça va bien aller avec les médicaments que tu prends. Quels médicaments? Tu sais même pas c'est quoi les médicaments que je prends. C'est toujours un moi qui me les donne. C'est quoi, tu veux pas refaire du sport? Oui, je vais refaire du sport, mais... Il faut garder espoir. Garder espoir en quoi? Regarde, il est où, mon frère? On va trouver une autre solution. Il n'y a pas de solution. Une serviette, s'il te plaît. J'ai plus faim, je vais me coucher. Pourtant, t'as presque rien mangé. Je veux juste aller dormir. Mon chéri, t'as besoin d'énergie. C'est quoi? J'ai exactement ce qu'il te faut. C'est, j'ai préparé ton dessert préféré. Maman! D'accord. J'ai compris. Excuse-moi. Ça va? N'oublie pas de boire ton eau, ok? Si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. J'aurais pas le choix de rester avec Ali à la maison. On doit trouver une solution. Si je peux avoir plus d'heures au travail. Je ne peux plus supporter ça, Abdoul. J'ai l'impression que ça me rend folle. J'essaie de rester forte, mais là... Je pourrais pas le supporter si je perds un deuxième fils.
faire attention lorsqu'il fait du sport. Qu'il doit écouter son corps, mais non. Tu le connais, il fait toujours qu'à sa tête. Est-ce que tu mets ça sur la faute d'Ali maintenant? Je mets pas ça sur la faute d'Ali. D'être avec ses amis, mais c'est pas Ali. De sa situation en ce moment. Mais moi aussi je m'inquiète pour lui, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas envie de voir mon fils souffrir. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Farah. On se bat tous les jours pour avancer. Pour faire en sorte qu'il aille mieux. Et ces crises n'en finissent pas. C'est pas de sa faute. Je sais que c'est pas de sa faute. Ni de la tienne. Ni de la mienne. Mais tu sais très bien qu'en tant que parent, on ne veut que le mieux pour nos enfants. Je veux que mon fils aille bien. Ça va? Je t'avais dit que ma première crise, je l'ai eue dans l'église avec mon père. Non. Il m'appelait le cascadeur. Parce qu'à chaque fois, il me voyait grimper dans l'arbre, il dit ça y est. Je lui dis, ben, cette fois-ci, si je fais une crise, c'est sûr qu'il va dire que c'est à cause de ça. C'est sûr. Oui. 5 ans. Ça passe vite. Ouais. Je n'en reviens pas qu'il soit déjà parti. Je suis sûre qu'il est bien. Hein? S'il regarde, tu seras prête. Bonjour, papa. J'espère que tu te portes bien là-haut. Je voulais que tu saches aujourd'hui que je comprends. Tu as toujours été là pour nous, mais à ta façon. Je pense que tu serais très fier de ton fils aujourd'hui. Moi qui encourage les gens à aller faire leur traitement maintenant. Je suis tellement content que tu m'aies présenté, Monsieur Salon. L'association a tellement pris d'ampleur ces dernières années. Et il fait avancer les choses. Par contre, il y a de plus en plus de patients. Mais grâce à Emma Québec, les donneurs, les personnels soignants ont réussi à avoir nos traitements. Il reste beaucoup de choses à faire.
D'ailleurs, j'ai été approché pour faire un projet de film sur l'anémie falciforme et pour sensibiliser les gens. Cher public, nous commençons une campagne de sociofinancement. C'est pour cela que chaque geste que vous allez poser fera la différence. Je supporte la cause pour l'anémie falciforme. Diane Lefebvre. Claude Emmanuel. Sébastien. Henri Grandmaison. Nadège. Sébastien. Jean Dubé. Mickaël Emmanuel Fanon. Lidvine. Nous sommes Brian Amiel. Stanley Jeffrey. Béatrice. Aminata Toussam Dakouma. Rissa Minungu. Marie-Sonia Ondo. Mamoudou Kamara. Je suis atteint de l'anémie falciforme. Wilson Sanon, le président fondateur de l'Association d'anémie falciforme du Québec. L'anémie falciforme est peut-être une maladie invisible, mais elle n'est pas invincible. Agissons ensemble.